Mais là, j'ai une gueule. Là, tu suis le plus chou des choux. Oui, t'es le plus chou des choux. Ah. Ouais. Ma tête. Ah non, mais je peux pas mettre ça. Petit matcha pour bien commencer la journée. Ça fait juste un mois qu'on est là. À la base, on avait 6 valises. Allez, Cosette. Eh oh, ça va pas ou quoi? Mais je rêve. Ça y est, on a récupéré nos clés d'appartement. Oui. Et là, on termine le ménage dans la sous-location où on est. Mmh. En route vers la laverie. Ensuite, à 13h, on récupère la petite camionnette. Donc, Aurore va conduire pour la première fois à Montréal. Le stress. Un peu, ouais. Et ensuite, on attendra la livraison du matelas. Et l'installateur de la fibre. Ah oui, qui doit venir entre midi et 17h, sachant qu'on n'est pas dans l'appart avant 13h30, 14h. Donc là, il faut croiser les doigts pour pas avoir d'appel jusqu'à 13h. De quoi? En 24 minutes, on n'a pas le temps de manger. Ben, on va juste manger un truc vite fait. Donc, on va faire quoi pendant 25 minutes, là? Quoi? Non mais, ça a l'air ouf. Et regardez tous les œufs bénédicts. Bon appétit! On est arrivé à la Loc. Regardez ce pont, il est tellement impressionnant. Il y a des manèges, mais j'ai pas vu derrière les camions. Là-bas, il y a plein de manèges. Allez, pilote, installez-vous au volant de votre bolide. C'est ouvert. Il n'y a rien du tout. Comment ça, il n'y a rien du tout? C'est quoi le frein à main? Ça commence bien. N c'est neutre, R c'est retour et D c'est drive. On est parti. Ici, les feux ils sont de l'autre côté de la route. Contrairement à la France, là il n'y a rien. Voilà. On a pris nos poubelles aussi parce que ici ça marche par jour de collecte. Et on a loupé le jour. T'as trouvé? Oui. Jeter les poubelles. Très important. On vient d'arriver dans l'appart, mais petite déception, enfin deux petites déceptions. Il nous avait dit qu'il ferait venir une société de ménage pour nettoyer l'appartement parce que le locataire vient de partir et on se rend compte que ça n'a pas été fait. Je suis dépitée, moi, ça m'énerve. Ouais, bon, on est un peu saoulés, il y a encore des affaires et tout. Et deuxième chose, on avait commandé du coup un matelas la semaine dernière et ils devaient nous livrer là maintenant et finalement ils nous ont envoyé un message pour nous dire qu'ils n'avaient pas notre matelas. 10 minutes avant l'heure de livraison prévue. Ouais, donc je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont dû le donner à quelqu'un et se rendre compte là qu'ils l'avaient plus en stock. Et voilà, du coup on est un peu dépité, ça fait deux déceptions en 5 minutes en plus. Hein. Ouais. On est rentré dans l'appart et elle a reçu le message pour le matelas, donc voilà. Je sais pas ce qu'on va faire. On va essayer de trouver une solution. Aurore est partie ramener le camion en urgence parce qu'il fallait le ramener à 17h. On est allé faire des courses de ménage aussi parce que, bah en fait, on peut rien ranger tant qu'on n'a pas nettoyé les placards. Il n'y a rien qui est nettoyé. Donc on est allé chercher quelques petits trucs. Voilà. Et puis on va se coller au ménage maintenant. Comme ça, après, on est tranquille. Il y a un truc qui me réconforte vraiment beaucoup. Regardez. C'est la vue de l'appartement. Oh, j'ai le vertige. C'est juste ouf. Elle est de retour. Ça, c'est la poubelle. Déjà. Vous spoil un peu le home tour parce que les, regarde, les lampes de chevet sont trop belles. Installation électrique.
pas très agréable. Une heure plus tard. On a fini. Il manque le matelas. Timing parfait. Ouais. Donc le matelas temporaire parce que notre matelas il est pas arrivé. Ouh, je suis vieille. Ah ouais. J'ai mal au dos. Ceux qui ont vu notre vidéo shopping, c'est ça, c'était notre coup de cœur des courses. Je parle à la caméra. C'est l'amour à la caméra. Oui. Nouvel achat. Ça, on l'avait pas en France. Une carafe filtrante. Parce qu'apparemment, l'eau ici est super calcaire. Les idoux, ouais. Ça fait trop plaisir de voir les... Genre nos produits ici. Genre c'est chez nous. Nos nouveaux produits en plus. C'est mouillé encore. Et ça, on va mettre dans le lit ou pas? Non. Il faut faire les trucs un par un. Ouais. Fin de journée. 23h. Qu'est-ce qu'on fait? Un burger. On a déjà mangé la même chose avant-hier. Mais franchement, c'était vraiment pas mal et c'est pas très cher. Ouais, mais tard de dormir. Ouais. Ah oui, purée. Du coup, on attendait... On n'a jamais eu le matelas qu'on devait avoir, mais ils nous ont amené un matelas temporaire. Mmh. Pas ouf, quoi. On a laissé le plastique. Premier réveil dans notre nouvel appartement. On m'écoutait parler. Comment t'as vécu ta première nuit? J'ai bien dormi, mais je pense parce qu'on s'est endormi tard, tout ça. J'étais KO et je suis toujours KO. C'est pas la fatigue. Là, y a ça se voit là, de... t'as vu nos cernes. Ouais, une semaine pour se remettre là, je pense. On voit d'ici le magasin. Je pense que cette année on va prendre un sapin comme ça. On peut pas investir dans un sapin. J'avoue que c'est mignon. Bah ouais. On coûte 5 dollars. On mettra les cadeaux au pied. Ouais. Petit retour de course. On me voit même pas. Il manque une lumière. Ah. Des œufs, sirop d'érable du Canada. Retour de course numéro 2. Notre chef plutôt privé. Et votre concernant oignons et carottes. Et tu les fais revenir au fil et l'huile. On fait les miennes en premier, on a dit du coup. La recette de Chinese. Délicieux. Résultat de chef Aurore. C'est où les fourchettes? C'est ici. Dans le magnifique range couvert. Ouais. Waouh. La déchetterie sera grande. C'est clair. On va pouvoir sur le canapé avec les cartons. Mais ouais. Bah ouais. On prend les cartons, on les empile et on met des plaides dessus. Ça, ça veut tout dire, ça. Le gros thermomètre rouge. Qu'est calor. Ça m'a l'air immense. Ouais. Ça a vraiment pas l'air d'entrer. Ou alors on inversera les deux. Quand on
on ira chercher. Ça, c'est nos tables de nuit. Ça, vous le verrez dans le home tour. On vous dévoile pas tout quand même maintenant. Nous sommes mardi 5 décembre. Nous avons commencé la vidéo vendredi 1er. Et on a enfin reçu le matelas. Oh là là. Ah, on va trop bien dormir. Coucou. Re-coucou. Re-coucou. On se retrouve 5 jours après le début de la vidéo. Donc on a déménagé vendredi matin. Là on est mardi soir. Et ça y est, on est enfin bien installé dans notre appartement. J'ai les cheveux rouges au passage. Oui, c'est ce que j'allais dire, déjà. Ce petit détail quand même. Oui, j'avais pas la même couleur au début de la vidéo. D'ailleurs, s'il y a des coiffeurs dans les abonnés, j'aurais besoin de quelques conseils. On a bien reçu notre matelas. Comme vous l'avez vu juste avant. Ouais. Donc ce soir, on va tester. Je pense qu'on va très très bien dormir. Et ça va être la première vraie nuit qu'on va passer parce que franchement, le matelas qu'on avait... C'était pas ouf. Après, moi j'étais KO, mais bon, ouais, c'était pas un sommeil très récupérateur. J'avais mal au dos le matin. Ouais, moi aussi j'avais mal au dos. Mais d'ailleurs, j'ai le bas du dos bloqué, je pense que c'est à cause du matelas. Parce qu'en fait, il faisait ça, quoi. Ouais. Comparé à celui qu'on a là, qui est comme ça. Après, c'était pour dépanner, quoi, qu'on a eu ce matelas. On avait dit qu'on n'avait pas reçu notre matelas, qu'on allait essayer de trouver une solution. Et après, on a dit qu'on attendait le matelas temporaire. Oui. Du coup, ils nous ont prêté un matelas de vendredi à aujourd'hui, qu'ils sont venus rechercher et ils nous ont amené notre matelas. Ouais. C'était bizarre les premiers jours parce que déjà il y avait l'odeur. Je sais pas si c'est l'odeur de l'ancien propriétaire ou l'odeur de l'appartement, mais pas chez nous quoi, pas notre odeur. Du coup, c'est difficile quand on ménage. Oui, les premiers jours de se sentir chez soi et de réaliser que c'est sa maison alors que ça sent pas chez... enfin, ça sent pas ton odeur. Les endroits sont un peu inconnus, mais moi je pense personnellement qu'on va s'y sentir bien. Je me sens quand même à l'aise, je prends vite mes marques. Bon, après, c'est pas immense, donc c'est pas difficile de se faire la superficie. Oui. Ouais, mais quand même, tu vois, on a le salon vide, on a rien, on a pas de meubles dans le salon, du coup, ça pourrait faire vide, mais finalement, ben là, on a reçu les tabourets sur lesquels on est assis. Oui. Ben, déjà, on va pouvoir manger dans la cuisine, parce qu'on mangeait sur le lit jusqu'à maintenant. Les interrupteurs, je me trompe tout le temps. Oui, moi, c'est pareil, mais en même temps, il y a tellement d'interrupteurs. Mais là, je me sens déjà en 5 jours beaucoup mieux que le premier jour. Oui, en plus c'est trop cool parce que pour fêter notre arrivée, on a eu droit à quand même une tempête de neige pendant 2 jours de neige énorme. Donc, c'était trop cool d'être dans notre appartement et voir de la fenêtre toute cette neige dehors. C'était trop beau. Prochaine vidéo qu'on sortira au sujet de l'appartement, ça sera un home tour. Du coup, on vous fera visiter, enfin même si vous avez un peu vu l'appartement dans la vidéo, on vous fera visiter en détail l'appartement. Toutes les pièces de l'appartement, mais aussi le condo, enfin le condo, on dit quoi, le building. En fait, c'est un condo dans un building. Non, c'est une unité dans un condo. Une unité dans un condo. Donc, on vous fera visiter le condo en entier et toutes les accommodations qu'il y a, de compris dans notre loyer. Donc, 2 piscines, une salle de sport, une salle de jeu avec baby-foot, billard et table de billard. C'est un peu des surprises. Ok. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé ou même à nous poser vos questions. C'est marrant d'ailleurs, j'ai pas dit, j'ai pensé la même chose. On est sorti de chez nous hier, il y avait pas grand monde hein, dehors. Oui. On passe sur le square, on croise une personne qui nous dit hey, mais vous êtes sur YouTube. Sachant que ça fait pas longtemps qu'on fait des vidéos sur YouTube, donc on n'a pas forcément beaucoup de vues. Et elle a vu la vidéo parce que ça fait un mois elle qu'elle est au Canada. Donc du coup ça nous a permis de discuter. Donc si jamais vous aussi vous avez envie de parler, si vous avez des questions au sujet du PVT au Canada, si vous avez des questions au sujet de... Bon, pas du travail parce que le travail on n'a pas encore cherché. Oui. Mais de l'appartement ou de la ville, n'hésitez pas. Même si vous avez des questions sur les quartiers, après la vie de chacun est différent. Mais on peut vous donner notre expérience, nous aussi, comment on l'a ressenti sur notre recherche, même comment on s'est débrouillé pour les meubles. Pensez à vous abonner. À bientôt.